fermer les yeux. Et à vous poser dans l'ici et maintenant. Si vous le désirez, vous pouvez amener les pouces et les index ensemble. Et sentez dans l'ici et maintenant les parties de votre corps qui touchent le sol. Et les parties de votre corps qui sont en contact avec un objet physique. Peut-être que pour vous, ce sera vos pieds, vos fessiers, votre dos. Peut-être que ce sera le côté des jambes, certaines parties du pied, les fessiers. Prenez contact avec ce qui touche maintenant et poussez dans le sol pour que le contact se fasse encore plus. Poussez doucement dans le sol. Allongez votre colonne vertébrale. Ramenez le menton légèrement. Et poussez le dessus de la tête vers le ciel. Dans cette visualisation, je vous invite à vous connecter avec tout ce que vous êtes, complètement. Et à accueillir toutes ces parties de vous. Et je vous invite à vous connecter à votre corps physique. Ce corps physique qui est votre temple. Ce corps physique qui vous permet de bouger. Qui vous permet de parler. De vous exprimer par le mouvement. Contribuer à la société. Ce corps physique qui vous permet de vivre. Prenez contact avec les différentes parties de votre corps physique. Le bas du corps physique. Le milieu et le haut. Et souvent, ce qui nous arrive en premier, c'est ce qu'il y a déjà des sensations. Donc, des fois, c'est des sensations qui ne sont pas nécessairement plaisantes, qui sont un peu plus inconfortables. Je vous invite maintenant à regarder dans votre corps physique. Quels sont les endroits où il y a des sensations neutres ou agréables? Peut-être que ce sont vos cuisses, votre cœur, vos poumons ou encore d'autres organes internes. Observez ce qui est neutre à l'intérieur de vous et aussi ce qui va bien. Et accueillez tous les aspects de votre corps physique. Je vous invite maintenant à vous ouvrir à votre corps énergétique, là où l'énergie circule, là où vous ressentez des sensations,
Prenez contact avec toutes les sensations dans votre corps. Peut-être des sensations de chaleur, de froid, de pétillement. Peut-être que vous sentirez même certains endroits dans votre corps qui sont en contraction et d'autres endroits qui sont en expansion. Peut-être que vous sentirez votre cœur qui bat plus vite ou encore qui ralentit. Peut-être que vous sentirez comme du feu dans vos mains. Ou d'autres sensations physiques concrètes. Parfois, les sensations qu'on oublie sont celle des cinq sens. Écoutez le bruit dans vos oreilles, les sons de ma voix, mais aussi les autres sons qui viennent à vos oreilles. Sentez soit vos vêtements ou encore l'air sur votre peau. Ce sont d'autres sensations qui vous permettent d'entrer en contact avec le monde extérieur. Observez si certaines odeurs arrivent à votre nez. Et ça peut même être l'air froid qui entre dans vos narines et l'air chaud qui en ressort. Sentez aussi le goût dans votre bouche. La salive, peut-être, qui est là, ou encore qui augmente en quantité. Et je vous invite maintenant à vous connecter au corps mental. À la couche mentale. Donc, ce sont le monde des pensées, le monde des émotions. Si, par exemple, vous sentez une partie de votre corps qui est contractée, quelles sont les pensées ou les émotions qui montent? Quels sont les mots qui sont mis sur ces sensations? Et tout cela, c'est parfait. Laissez-les monter, les mots. Parce que ce sont des choses qui font partie de vous dans l'ici et maintenant. Si vous entendez un son, qui vous vient à l'esprit. À quoi ça vous fait penser? Et le fait de laisser monter les pensées vous permet de voir quelles sont les pensées qui sont générées automatiquement. C'est un exercice d'observation et d'accueil. Est-ce que vous ressentez des pensées de manque? Des pensées, vous avez peur. Des pensées de culpabilité.
pensée de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé. Et si à un moment donné, vous avez ressenti des choses dans votre corps, un serrement, un refus, à l'une ou l'autre de ces pensées, accueillez-le. Des pensées de peur ou des émotions de peur, ça dépend pour vous. Des émotions, des pensées de culpabilité. Des émotions, des pensées de ne pas être à la hauteur, d'être rejeté, d'être abandonné. Des pensées de ne pas être aimé, des émotions de ne pas être aimé. Et regardez maintenant quelles sont les émotions positives que vous ressentez. Comme par exemple la sécurité, le plaisir, l'accomplissement, la réussite. L'émotion ou la pensée d'être important pour quelqu'un d'autre, de compter pour lui ou pour elle. Toutes ces pensées qui existent dans l'instant présent sont parfaites. Elles suscitent des sensations qui existent déjà à l'intérieur de vous. Accueillez tout ce qui existe ici et maintenant. Et maintenant, je vous invite à vous élever au-dessus de tout cela et à regarder, à observer sans jugement et avec beaucoup de bienveillance. Qu'est-ce qui a besoin d'être appris? Qu'est-ce qui est important pour vous dans l'ici et maintenant? Lorsque des émotions ou des pensées ont suscité certaines sensations désagréables, qu'est-ce que vous aviez besoin d'apprendre? Ou même juste de voir. Et lorsque vous avez senti des sensations agréables, qu'est-ce qui était important que vous voyiez ou encore que vous compreniez au plus profond de votre être? Recevez avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, de bonheur, toutes ces prises de conscience. Parce qu'elles sont là pour que vous puissiez connecter encore plus avec votre partie d'être spirituel. Et que vous puissiez encore mieux la manifester dans votre partie d'être humain. Recevez toutes les prises de conscience ou encore les plus importantes. Et enfin, je vous invite à vous connecter à votre essence profonde, à ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous. Peut-être que pour vous, ce sera situé sur le dessus de votre tête, ou encore que ce sera situé
au cœur de votre cœur. Allez là où ça résonne le plus pour vous. Connectez avec cette magnifique partie de vous-même. Connectez avec cette partie de paix et de sérénité. Et vous êtes en paix lorsque il n'y a rien à changer autour de vous. Et surtout, rien n'a changé à l'intérieur de vous. Vous êtes dans la joie lorsque vous ressentez cette flamme, cette lumière qui brille à l'intérieur de vous, qui a envie d'illuminer partout autour de vous. Et que rien n'entrave la lumière, aucun nuage est devant cette lumière. Voyez comment vous pouvez permettre à cette lumière de briller ici et maintenant. Et je vous invite à manifester votre amour, à le manifester pour vous ici, dans l'instant présent. Parce que tout est parfait ici et maintenant. Il n'y a rien à changer. Il y a tout à accueillir. Ouvrez la porte de votre cœur, toute grande. Sentez votre lumière qui brille. Sentez que tout est parfait, ici et maintenant. Qu'il n'y a rien à changer. Je vous invite à manifester votre amour pour vous-même, ici et maintenant, en restant immobile dans votre position. Voyez comment vous pouvez ressentir un amour profond et inconditionnel pour vous-même. Vous avez aimé ce cours de yoga? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga comme Initiation Yoga, Yoga Matinal, Yoga Tonus, Gestion du Stress et plein d'autres extraordinaires séries pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.